Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les Martiens? Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je vais vous présenter un des meilleurs pronostiqueurs que je connaisse à l'heure d'aujourd'hui, qui s'appelle Prem Faya. Prem Faya, connu pour avoir fait des matchs douilles. Et vous avez juste à vous abonner sur YouTube. Pas besoin d'aller sur Insta, pas besoin d'aller sur Snapchat, pas besoin d'aller sur Telegram. Vous allez dans la description et le lien est présent. Si t'es quelqu'un qui aime le sport, qui aime faire des paris et qui est majeur, n'hésite pas à aller rejoindre mon ami. J'insiste sur tout ça parce que j'aimerais que la plupart de mes abonnés aillent s'abonner à sa chaîne YouTube. C'est très important, les gars, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit. Et en plus de ça, ça peut vous faire gagner de l'argent. Donc pourquoi cracher sur le morceau? Allez-y. Vous savez, vous pouvez me faire confiance depuis le début, je vous ai toujours proposé des bons plans. Donc n'hésitez pas à aller voir Prem Faya, à vous abonner à sa chaîne, c'est gratuit, elle est en description. Et bon visionnage. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fafa Chivi, qui fait des vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description aussi. N'hésite pas, vas-y. On fait des vidéos ensemble, il m'a fait des pranks, moi je lui refais des pranks. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et aujourd'hui, on est avec Romain. Alors Romain, il est ADS, donc ça veut dire qu'il vient de rentrer à l'école de police. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il rencontre des problèmes parce que quand il rentre dans des quartiers, vous connaissez l'histoire, les flics ne sont pas trop les bienvenus dans les quartiers. Et aujourd'hui, Romain, il a envie de montrer aux gens à quel point ça peut être difficile en étant flic de rentrer dans une cité ou d'aller devant des jeunes, peu importe. Mais aujourd'hui, il nous a contacté pour montrer aux gens que rentrer dans un quartier, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, Romain va venir avec nous et va rentrer dans un quartier, mais sans rien faire. Juste, il va passer dans un quartier pour aller d'un point A à un point B, sans plus ni moins, d'accord? Et on va voir comment ça va se passer. Il prend déjà d'énormes risques en faisant ce métier, mais là, en faisant cette vidéo, les risques ils sont multipliés par 10 parce qu'il n'y a aucune sécurité derrière à part moi et Fafa et le caméraman. Si ça dégénère, on ne sait pas comment ça peut se passer. C'est un but préventif pour montrer à quel point c'est difficile d'être flic, de rentrer dans les quartiers et à quel point des fois aussi ça peut être difficile pour les jeunes de se faire contrôler sans arrêt et sans prétexte. Donc cette expérience sociale, elle est là pour faire comprendre aux jeunes et à tout le monde que tous les métiers sont difficiles et que même en étant jeune ou étant flic, ça peut être compliqué. Donc on va y aller, on va filmer et on va voir comment ça se passe. Voilà, on est là pour vous protéger, on n'est pas là pour faire la guerre, loin de là. Après, sachez que bien sûr on fait partie de la police. Et voilà, nous notre métier c'est avant tout de faire la sécurité et pas vous emmerder à chaque fois, tous les jours, en vous disant oui, on vous arrête pour ça ou ça. Si on vous arrête, c'est juste pour une bonne raison. Voilà. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Des deux côtés, il y a des bons et des mauvais. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc on va voir où cette expérience sociale nous mène et on espère qu'elle va bien se passer. Restez jusqu'à la fin pour voir ce qui se passe et bon visionnage à tous. Ciao. Je sais quoi. Les gars, je vais juste rejoindre ma patrouille, elle est là-bas. Y'a rien de mal. Mais je suis rentré. J'ai dit que j'allais rejoindre ma patrouille. Il y a une patrouille juste avant qui m'appelle, du coup je pense pas là. Mais tu passes pas par là, je sais bien ce qui se passe ici. J'ai pas le bienvenu. C'est un condé. Malade. Je sais que je suis un condé, mais après, est-ce que je vous arrête ou quoi? Je vous ai pas calculé. Je vous ai pas calculé, on est bien d'accord. Tu fais un détour. Je passe pas par là. Justement, on a fait courser par là et c'est tout. C'est pas lui qui a arrêté le collègue la dernière fois avec son équipe. Eh oui, c'est lui. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est Nabil, non, qui l'a embarqué? Ouais. Nabil. C'est lui. Ouais. En fait, tu veux que tu n'aies pas tombé. C'est ça, ouais. Tu sais où il est Nabil à cause de toi? Il est au tard à cause de toi, mon ref. Ouais. Et en plus, ça te fait sourire. Il veut qu'on le démarre. Ça te fait sourire en plus. Il veut qu'on le démarre. Vas-y. Vas-y. Là, t'es un fou, toi, tu rigoles de nos collègues et tout, t'es un fou. T'as déjà rejeté où, là? J'ai rien. Tu viens ici, tu fais le malin, hein? T'es tout seul, hein? Ils sont où, tes petits collègues, les poulets? Fais-moi le malin quand tu fais ça, là, petit trou du cul. Fais-moi le malin, tu fais le héros. Quand vous êtes quatre, là, vous faites les fous à nous fouiller, tout ça. Et quand tu es seul, tu fais ta gueule. J'ai compris. Tu fais la gueule, hein? T'as un petit trou du cul, hein? T'as un petit trou du cul. Moi je ramène tous mes collègues, hein. Tu veux faire quoi? Tu veux mourir? Les gars, parce que toi quand tu es là avec ta radio, t'appelles tous tes collègues. Tu veux qu'on appelle tous nos collègues là qui viennent?
Les gars, regardez, je suis là. Je récifle. Non, ne récifle pas. Ça a changé maintenant, hein. Ne récifle pas, je suis seul, les gars. Ouais, t'es seul. Je fais le barbeau, hein. Hein. Ici, c'est nous, on fait la loi. C'est chez nous. C'est nous, les condés, hein. Vous faites quoi? Vous êtes ici, vous êtes quoi? Vous êtes rien. Vous êtes rien ici, bande de. Je vais demander, je vais donner à manger au chien, hein. Vas-y, tu ferais mieux de te casser d'ici, tu vois. T'es chez nous. Tu vas pas que j'appelle mes collègues, tu vas finir dans la cave. Les gars, je ferais mieux d'appeler. Tu vas venir à la mort. Regardez, juste 30 secondes, laissez-moi parler, les gars. Je suis venu, je suis passé tranquille. Je t'ai rejoint une patrouille, c'est vous vous m'interpellez pour rien. Moi, je suis là. Mais parce que tu es chez nous, sur notre territoire, nous, la loi. Laisse-moi parler. Vous interpellez maintenant, c'est nous, l'interpelle. Laisse-moi parler. Tu es chez nous, t'as pas de laisser parler, tu te casses. Laisse-moi parler, je suis seul. Mes collègues m'attendent en haut. J'ai pas de radio, j'ai pas de monote, j'ai rien du tout. Eh ouais, ici, on est mille ici. Mais de quoi tu as peur? Mais de quoi j'ai peur? Tu viens chez moi? Je passe. Tu as embarqué mon collègue? Hein, tu as embarqué mon collègue? Et tu passais tranquillement quand t'as embarqué mon collègue? Oui, on était là. Tu faisais des fautes, tes collègues, en voiture, là. Hein, 40 voitures. Ah, mais les gars, vous savez que si vous tapez une force de l'ordre, ça fait qu'après, c'est chaud pour vous. Mais tu as pas compris, on s'en bat les couilles. Bah, les couilles. Jour, on risque nos vies pour la prison, t'es fou quoi? Tu crois que c'est parce que toi, avec ta petite tête, là, tu crois qu'on a peur de toi? Ça me fait plaisir. Mais je m'en bats les couilles. Pour ramener tes collègues, on te tape, on va en prison. Nous, il y a tous nos frérots en prison, les rejoins, on s'en bat les couilles. De toute façon, tu vas disparaître, hein. Vas-y, tu vas disparaître, hein. De toute façon, tu vas pas sortir d'ici, je te le dis. J'ai peur de ta petite trou du cul. Hein? Je te le dis en face, y'a un fils de. Hein? Moi, j'ai pas peur d'aller en tôle pour toi. J'ai un fils de. Voilà, je te le dis. Même je te claque, y'a quoi? Les gars, mets les menottes, hein. Mets les menottes, hein. Vas-y, vas-y. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi, j'ai ma patrouille là-bas, je vous demande rien. Les gars, laissez-moi, les gars. Oh, pourquoi tu parles mal? Ne parle pas mal. Bon, bon. C'est un truc. Expliquez, les gars. Moi, je suis chez nous ici. Oh, les gars, tranquille. C'est pour vous que je vous dis ça. Bah, les gars, tu vas rester en prison, tu vas au star, tu es fou quoi. Je crois que ça nous fait peur. C'est trop du. C'est fou. Vous aussi, taillez-vous, vous êtes chez nous là. Oh, les gars, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Ça te regarde, frère. Mais oh, frérot, on est des darons. On vient foutre les gars. Tu vas faire le grand là. Il y a peu de respect. Tu nous fais pas mourir, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il y a? On est des mecs, on a grandi dans les quartiers. Vie de sa vie, de sa vie. Tu prends ta caméra et tu te casses de chez moi, t'as compris? Bon, sinon c'est dans la cave que tu vas finir, hein? Bon, de fils de f***, t'es vous avant que tu t'étales. Bon, ça sert à rien de... Les frères, les frères, ils viennent d'arriver avec leur caméra, c'est trop du cul, là. Et c'est des trous du cul, alors il y a un condé, il est venu, frère, il la détache, je sais pas où il est, là. Et eux, ils se ramènent avec leur caméra, là, c'est trop du cul. Et en plus, ils fait ça sur le moral de... Allez, les gars, c'est bon. Les gars, ici, c'est chez nous. On aura juste expliqué, gros. Ouais, je suis gentil, gars. Écoute, taille toi, hein. Prends ton collègue avec toi, hein. Parce que sinon, maintenant, on va pas rigoler. On est quatre. Taille toi, bon, pour toi. C'est bon? C'est ta merde là. Taille toi. Non, bah, t'es un peu respecté, mais taille toi. En plus, là, il y a une caméra, tu vois. Si je vois ma gueule sur internet, je te retrouve, je te demande. C'est bon? Taillez-vous. Dégagez. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, dégage. Vas-y, toi, tu es fou aussi, on n'aurait pas dû intervenir. Mais frérot, on pouvait pas laisser comme ça, gros. Le mec, il vient pour la vidéo, il fait pas. Tu es malade, c'est ce que je dis. Ah ouais. Bon, les amis, on a réussi à. Tant bien que mal, je crois qu'ils ont. En fait, ils ont abandonné, ils ont arrêté de nous courir derrière à un moment donné. Au bout d'un moment, un kilomètre. Ils ont arrêté de nous courir derrière, nous, on est partis. Et on a réussi à se réfugier là où il y a du passage, il y a de la route et tout, pour pas que. Pour en sortir du quartier, en fait. Hein. Et voilà, il faut qu'on appelle. Romain, pour savoir où il est. Et en attendant, les gars, voilà, c'était juste une vidéo, c'était risqué, hein, c'est une vidéo assez risquée parce que faire un truc comme ça dans un quartier, rentrer avec un flic, c'est vrai que c'est pas de la provocation. Il y a des zones de non-lieu, il y a des endroits où ils peuvent pas aller. Hein. Donc ça veut rien dire, il y a des jeunes qui sont très bien, il y a des flics qui sont pourris, d'autres qui sont bien aussi. Là, en l'occurrence, le mec qui passait par là, il faisait rien, enfin bref. Dans tous les cas, le principal, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés.
Moi, je me suis un peu fait mal quand même. Regardez ici. Je me suis un peu fait mal parce qu'ils m'ont tiré à un moment donné. Je sais pas si on le voit dans la vidéo. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Nous, on va rentrer. On va appeler Romain. On va voir où il est. Il n'y a pas forcément de message sur cette vidéo. Juste que, ben, écoutez, voilà. Ça arrive qu'il y ait des gens qui soient cons, quoi. Ouais. Qui réfléchissent pas parce que, voilà, c'est n'importe quoi. On est en France, ça ne devrait pas exister. Il y a des choses. Les bavures, elles ne devraient pas exister. Et la violence. Sur les flics aussi, ça devrait pas exister, surtout que le mec il était sympa en fait, hein, il a même pas, tu vois. Enfin bref, voilà les gars, donc respectez-vous les uns les autres, c'est le seul message de cette vidéo, et faites attention à vous. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Fafa TV aussi, on fait des vidéos ensemble dessus, on fait des pranks, des conneries comme ça. Et moi, la chaîne secondaire aussi, si vous voulez. De toute façon, tout est en description, tous les liens sont en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous verrez d'autres contenus que ceux-là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kamoff et je vous dis à très vite. Ciao.